Le cul pour venir dedans, des boules pour venir dessus, ça c'est de la femme. Allez, mon oncle Serge, et les sportifs font... Hey, c'est interdit de filmer le show, OK? Ben, il reste genre 20 minutes avant le show de mon oncle Serge, puis en attendant, on tripe! Bonjour, je me trouve présentement avec Madame Mama Okapiman, qui se trouve être la mère du gros frisé dans les vidéos de Petit Lama Popra. J'aimerais savoir, Madame, c'est quoi vos attentes pour le show? Rien en tout. Rien en tout. Connaissez-vous un peu l'œuvre de mon oncle Serge, Madame Maman Okapiman? Pas bien, bien. J'ai été obligée de suivre mon petit. Ah, OK, OK. Vous venez voir à ce qu'il prenne pas trop de drogue. Bonjour, Luc, technicien à la coudée du cégep pour le show de mon oncle Serge de ce soir. C'est quoi tes attentes pour le show? Mes attentes, rien plus que boire comme un cochon, ça va vraiment être écœurant. On a eu un son de test d'à peu près 15 minutes, puis j'avais déjà le goût de boire. Fait que soyez présents en grand nombre, ça va rocker. Hey, go! Mon oncle Serge! Je me trouve avec Samuel. Première fois. C'est quoi tes attentes pour le show? Faut que tout le monde se déshabille tout nu. Faut que ça soit l'orgie totale. Tu penses qu'on va avoir le droit à un bon show? Oh, d'après moi, il va chier à terre. Au travers leur culotte? Ouais! Ça, c'est de la femme. Bonjour. Allô? En fait, je voudrais prendre vos impressions sur le show. Comment vous pensez que ça va être ce soir? Ça va vraiment être malade, surtout que c'est mon premier show. J'ai vraiment de mon oncle. Connaissez-vous un peu son maestrum musical? Ben oui! Oui. Ben oui. Des vrais fans? Ouais! On va te chier à terre? Oui! C'est sûr? Regardez le criminel! C'est lui! Ah, regardez sa tronche de bandit! Ah, c'est pour que la société soit délivrée de bandits comme lui! Content de gens, vote pour Stephen Harper! Ouais! Ah, non, mais c'est ça, t'sais, avec nos polices molles au Québec, t'sais, regardez ça, les polices molles, ça laisse manifester les étudiants. Ça laisse des drogués entrer dans la salle ici ce soir avec de la drogue sur eux. Ça laisse même monter des musiciens sur la scène avec de la drogue sur eux, imaginez. Bon, alors là je suis en train de déparler, je dis n'importe quoi, un peu comme d'habitude, mais j'allais vous dire quelque chose de capital. Vous savez, mon oncle Serge et les sportifs font en général la promotion du sport. Mais leur démarche va beaucoup plus loin. En fait, on fait non seulement la promotion du sport, mais on fait plus généralement la promotion de l'activité physique. Parce que voyez-vous, toute activité physique n'est pas forcément un sport. Par exemple, fourrer! Dans l'eau bivernale que Dieu a jetée sur l'Alberta, je suis seul et je rêve au couloir du centre d'achat. Dans un monde d'Indiens, je fume des cigarettes et d'autres choses que la loi nous encore permet. Et la richesse, on t'emporte, mais c'est l'espoir. Partout à l'heure, quand il fait notre air, j'ai même trouvé mes amis sur ma hausse étagère. J'entends leur nom, venu tout mystère de ma tombe. Ma n'est pas fermé les yeux de la nuit. Pour m'aller la providence, pas ton Dieu, je suis. Puis sinon, on vous laisse sur une dernière tourne avant l'entraque. Ça s'appelle Woodstock en Beauce! I'm gonna go get some more.
Oh, merci. Oh, là, ça fait merci. Oh, merci. C'est plein de pires, c'est ton poil comme on en respire. C'est ça, je me trouve à être avec mon oncle Serge. C'est ça, c'est le show vient de finir il y a déjà quelques temps avec Jeff Darimouski. C'est ça, j'aurais quelques questions pour toi pour un projet personnel slash scolaire. Ça te va? Oui, ok. Comment je t'accompagne dans tes études? Comment trouves-tu le monde Darimouski? Ok. Qu'est-ce qui t'inspire le plus lorsque tu écris tes chansons? À pied. Pour qui as-tu voté aux dernières élections? Libéral. Quel est ton meilleur souvenir que tu gardes là, lors de ton passage dans le groupe Les Colocs? Quand je suis parti.
si tu aurais à partager la scène avec Adam. Si tu avais. Si tu avais à partager la scène avec un artiste de ton choix, ce serait lequel? Peter Paul! Peter Paul qui est mon guitariste depuis peut-être 7-8 ans et c'est toujours mon préféré. Envisages-tu la possibilité de refaire une autre coopération avec Anonymous? C'est pas prévu, c'est pas non plus forcément exclu. Okay. Mon prochain disque, ça va être un album acoustique. Okay. Fait que je pourrais pas avec Anonymous le prochain disque. Okay. Mais éventuellement, tu sais, j'aime ça de jouer avec eux autres, puis on s'entend bien, tout ça. Fait que éventuellement. C'est possible. Ouais, c'est pas impossible. Okay. Dans tout. Comment qualifierais-tu ton œuvre? Un échec monumental. Je sais pas, écoute. Je sais pas. Je dis, écoute, moi, tu sais, j'ai eu du fun à faire ça. Je sais pas si c'est bon ou si c'est pas bon, mais écoute, moi, j'ai du plaisir, hein. Je dirais, jouissif. C'est bon. J'imagine que ta musique t'amène à voyager pas mal plusieurs endroits. C'est quoi les places les plus hautes que tu as rencontrées jusqu'à maintenant, que tu as aimé visiter? Que j'ai visité? Je ne sais pas les places les plus hautes, c'est dur à dire. Mais j'aime beaucoup aller en Europe, ne serait-ce que parce que ça fait changement du Québec. Tu sais, au Québec, le Québec, c'est pas très grand. On fait toujours les mêmes routes, à peu près les mêmes villes. Tu vois, Rimouski, j'en fais, je sais pas, 10, 15, 20 fois, je sais pas que je joue ici. Quand je vais en France, je vais toujours dans des villes, des villages où je suis jamais allé. Je prends des routes que j'ai jamais prises. Fait que c'est toujours plus excitant parce que c'est un peu l'aventure, l'inconnu, tout ça. Tandis qu'ici, je suis à peu près toujours en terrain connu. Ok, voilà. Ok. Est-ce que tu réussis à vivre de ta musique tout simplement? Oh, ouais. 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 Ton chiffre annuel, ça ressemble à quoi? C'est pas yard, mais j'arrive à quand même à payer mes comptes et tout ça. Fait que c'est ça. Deux, trois petits crabes d'une heure. On connaît beaucoup de Mon Oncle Serge sur la scène en spectacle. Pourrais-tu nous parler de Mon Oncle Serge dans son privé? Oh, je vais jouer au badminton des fois avec Peter Paul. D'ailleurs, je vais demain après-midi à 5h30. On a réservé le terrain au centre Pierre Charbonneau, le terrain 4. Ça me tente de voir en train de faire du sport pour vrai. Ah, voilà. C'est bon, prends ça en note. Te considères-tu comme un gars créatif? Ouais, faut. Minimalement, oui, tu sais. Okay, quand même, faut que je fasse des tunes, tu sais, faut que je fasse des clips. Très pragmatique. Ouais, voilà. Mais ta musique, t'as considères-tu comme sérieuse ou humoristique? Il y a une dose d'humour, mais je le fais sérieusement. Ben, okay. Tu sais, c'est pas. Mon but, c'est pas forcément de faire rire le monde. Okay. Tu sais, c'est je sais pas, tu sais, je t'arrêtes-tu envie de faire rire? Je veux faire des bonnes tunes, tout simplement. C'est vraiment juste ça, puis évidemment je suis plus dans un créneau d'humour puis tout ça, mais ce qui m'importe plus, c'est pas que les tunes soient drôles ou pas drôles, c'est que les tunes soient bonnes, puis que les gens puissent les écouter plusieurs fois, puis que ça soit le fun à écouter. Ok, mais là, aurais-tu envie de nous faire rire là? Ah, j'aime pas ça faire rire le monde dans la vraie vie. Peter Paul d'ailleurs, lui est très drôle dans la vraie vie, mais moi je suis pas très... Peter Paul, aurais-tu pu nous faire une joke? Bien sûr! Ouais, une joke sur ma mère Baratoul. Normal devant toi? Ouais. Ben ouais? Ouais. Moi, mon grand-père, quand il a vu Normand Brathwaite à l'époque au Lac-Saint-Jean à TV, tu sais, au Lac-Saint-Jean, c'est quand même assez reclus, et puis il avait jamais vu de noir. Il essayait d'ajuster le contraste à la TV, il pensait que sa TV était brisée. Ah! Eh, ben bravo! Et pour conclure mon entrevue, j'aimerais savoir, pour les jeunes qui aspirent à devenir comme toi, qu'est-ce que tu leur conseilles? Le suicide. Bon, ben merci beaucoup, mon oncle. Ça m'a fait plaisir. Ben, pareillement. Qu'on te rende ton chapeau. Non, je te le donne, c'est un cadeau. Ah, ben, Pauline, puis il y a le prix, Marie. Ben oui. Je vais mesurer ta générosité. Ben, c'est un bon début. Chapeau de clown. Bon, ben, puis donc, merci bien. Ben, merci. Je vais le jeter avec grand plaisir.